Salut à tous, c'est BigBelin294. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, encore une fois dans le mode studio, encore une fois sur Call of Duty Black Ops. Donc, c'est le premier épisode du jeu d'armes. Donc, je sais pas, j'ai pas encore de titre. C'est parce que je suis en train d'enchaîner un peu les vidéos pour les prochaines semaines. Comme je vous ai dit, une ou deux vidéos par semaine de match à Paris. Voilà, donc, vous verrez, il y aura sûrement un titre, il y aura sûrement tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui on va faire du... Donc on va choisir... Bon, là, choisissez... Non, je vais choisir puisque de toute façon j'ai du tireur d'élite, du jeu d'armes et du KV bâton. Voilà, c'est les prochaines vidéos, les 4 prochaines. Pas de belle charlie puisque je vous ai fait la vidéo bonus. Enfin, je l'ai peut-être pas encore mise mais sinon elle arrivera ou alors elle y est déjà, je sais pas trop. Parce que je fais énormément de vidéos là pour être sûr d'avoir assez de vidéos pour après et... Bon, c'est vrai que bon, voilà. Donc on va y aller. On va faire bon, on va prendre la plus longue pour cette première pour ce premier épisode. C'est parti. Alors c'est du jeu d'armes, c'est sur Knockdown. Je ne connais pas mes scores, hein. C'est des vieilles vidéos, donc si je les ai mis dans mes fichiers partagés, c'est que j'ai dû faire des plutôt bonnes parties. Après j'essaierai de faire le plus possible en live, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Je sais pas. Franchement je suis en train d'enchaîner les vidéos. Donc je sais pas dans quel ordre elles arriveront. Normalement celle-là sera le premier épisode de ma nouvelle série. C'est-à-dire bon la série, je sais pas comment elle s'appelle encore, mais les matchs à Paris toutes les semaines. Voilà, on est sur Knockdown, c'est du jeu d'armes. La durée de la partie a duré 8 minutes 40. Elle dure très longtemps cette partie. Ça va être une bonne partie normalement, il n'y a pas de problème. Si elle est dans mes fichiers partagés, c'est que c'est une plutôt bonne partie. Voilà, donc je vais essayer de vous commenter ça le plus professionnellement possible, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc déjà on va se caler sur moi, c'est mieux, c'est plus sympa. C'est parti. Donc au début, vous inquiétez pas, je ne pars pas, c'est normal, voilà. Hop là, je me fais tuer immédiatement. Ouais, c'est parti. Alors là, je suis avec les Makarov x2. Bon, je rate mon saut, un saut que j'adore faire sur Nocturne, c'est plonger de la fenêtre, je trouve ça vraiment cool. Hop, hop, je me retourne, bim, je tue. Je me fais tuer. Donc là, il va... bon, au début, c'est plus du une mort, un mort, et après, je crois que ça s'accélère, on va bien juste tout de suite. Et c'est ça. Voilà, donc bon, une partie assez sympa. Allez, donc là, je suis avec le Stakeout. Donc j'ai énormément de mal depuis le début de la partie, je fais du 1 kill, 1 mort à peu près, bon c'est ce que c'est le plus commun. Hop, n'importe quoi, bon là il apparaît à vie, je le tue. Avec le MP5K, je vais avoir le mec là-haut, vraiment, je crois, ouais voilà, MP5K, Scorpion x2, c'est parti. Là on enchaîne un peu les armes, on essaye de prendre un rythme. Hop, lui là-haut, boum, AK-74, lui pardon, boum, direct enchaîné, et là je me suis malheureusement tué. Ah, bon. C'est assez dommage que j'étais sur une bonne lancée. M14, une arme que j'affectionne énormément parce que je la passe normalement très très vite sur ce mode. Sur le mode match à Paris, je la passe très très vite cette arme parce que j'adore c'est du semi-automatique ou je sais pas trop comment ils appellent ça, mais du coup par coup, voilà, j'adore ça, voilà, bim. M16, j'ai un... Celle-là aussi, normalement c'est deux armes que j'enchaîne très très vite, mais bon. C'est pas tout le temps, hein. Ça arrive des fois que je suis un peu en manque de kills, en manque de frags, mais c'est assez rare. C'est deux armes. Voilà, le FAMAS, une arme avec laquelle je joue normalement. Hop, enchaîné. Le Hog que j'aime bien, mais avec une lunette. Parce que le Hog tout seul, ça a un peu de mal. Hop. Surtout ne pas faire exploser la voiture, sinon le kill est perdu. Voilà. Bon, c'était une partie très longue comme vous avez vu dans le temps qu'elle durait, donc c'est vrai qu'elle est pas... J'ai pas été super rapide cette partie. C'est vrai que bon, en elle-même la partie est plutôt jolie parce que j'enchaîne les kills, pas forcément très vite, donc on a le temps de voir un peu tout ce qui se passe, mais c'est vrai que bon, ces deux armes-là, elles sont hyper chiantes moi je trouve. Alors là, moi... Alors lui il m'avait tiré dessus, hop, je tire comme un forain. Je sais pas comment je l'ai eu, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va attendre de voir quelqu'un. Non, il n'y a personne, je descends. C'est vrai que bon. Voilà. Donc
là on passe au snipe. Alors les snipes que j'adore, c'est voilà. Donc là on va falloir m'expliquer pourquoi c'est pas passé, hein. Je pense que je vais appeler Treyarch ou Activision et je vais aller gueuler, hein, parce que c'est intolérable. On a l'impression. Alors là je l'ai tiré à travers les carreaux, enfin à travers les morceaux de carreaux. Là ça enchaîne pas mal, mais c'est vrai que le début des lance-patates s'enchaîne assez vite quand même. C'est vrai que c'est pas le plus dur à faire, boum. Finalec, l'arme que je déteste par-dessus tout, elle est hyper chiante à passer. C'est vrai que quand je joue en tireur d'élite avec le Finalec, ça se passe assez bien. J'enchaîne les kills, c'est vrai que tout le monde est à cette arme là donc ça va. Mais alors en match à Paris, j'en peux plus moi de le Finalec. J'ai absolument. Donc là moi je suis obligé de camper avec le Finalec. Enfin camper. Hop là, par-dessus, alors là c'est exceptionnel les deux fenêtres. C'est vraiment un truc sur Nocturne qui est assez sympa quand on a l'arbalète à la fenêtre, c'est vrai qu'on a fait assez. Hop là, donc là je vais le louper. Alors, je vais me mettre à cuter, hein, parce que je vais me faire un peu plaisir. Hop, je vais essayer quelque chose, voilà. Hop, ça loupe. Un cut. Les cuts vont s'enchaîner. Et bim, le mec qui campe à sa fenêtre, ça s'améliore un peu. Hop, on le tente, il loupe. J'ai tenté énormément de choses. Hein. Là, vous allez voir que... Bon, d'accord, là c'est le cut complètement débile qui passe pas. Là j'aurais pu... Oui, je me suis mis en mode... Hop là, toi t'as qu'à pas passer par la fenêtre. Hop, non. J'ai eu énormément de mal. Hein. Avec le couteau balistique. Oui, c'est vrai que celui-là, j'aurais pu... Celui d'avant, pardon. Celui-là, il aurait été tellement beau aussi de la nuit. Le coup d'avant, c'est vrai que bon, hop, je vais le louper et là piou, il va m'exploser sur comment ça s'appelle, sur le bus. Ah, j'adore exploser les campeurs, mais bon, il n'a pas approché assez donc c'est pas exceptionnel. J'ai pas beaucoup, franchement, la fin était plutôt chaotique quand même. C'est vrai que bon, j'ai eu énormément de mal à passer ce couteau balistique. Je l'ai passé, mais énormément de mal. Hop, t'as qu'à pas essayer de me tirer dessus, toi. Bim. C'est vrai que j'aime énormément faire du cut avec le couteau balistique parce que déjà j'ai pas. Donc là, ça s'appelle de la camp que je suis en train de faire. J'ai pas énormément de. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'adore le cut avec le couteau balistique parce que. Comme j'ai pas énormément de mal avec l'arbalète, et quand mes ennemis sont assez loin, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils sont assez loin quand même de moi, et ben on se rend compte que bon, on peut s'amuser un peu, et puis de toute façon, si on perd, on arrivera deuxième, quoi. Obligatoirement. Donc moi je m'en fous un peu. Là, hop là, un nouveau cut. J'essaie d'éliminer de plus en plus les. Enfin comment dire. Ouh là là, n'importe quoi, j'ai complètement dévié, là j'aurais jamais dû rester là. Il a réussi à me louper 3 fois. Là il aurait pu me cuter, franchement j'ai pas compris pourquoi. C'est vrai que bon, j'ai passé énormément de temps à cette fenêtre puisque je voulais m'amuser, mettre un cut de loin pour rendre la vidéo pas plus belle mais un peu plus sympa. Le gars tentait à tirer sur cette fenêtre alors qu'il ne s'est pas visé. Boum, je reprends une dans la gueule. C'est vrai que hop, là ça s'appelle un spawn totalement. J'essayais de voir un peu la distance mais. Pas vraiment réussi à faire un... Je crois qu'il est beau à la fin, mais je suis pas trop sûr. Hop, on retente un truc, ça passe pas. Hop, on cut, ça lui apprendra. Hop, on cut, ça lui apprendra. On tire dessus. Donc là je commence à apprendre à faire parce que les gens au micro, parce que je joue avec un micro, commençaient à rager un peu. Donc moi, plus on rage avec moi, plus ça me fait marrer. Donc plus je continue à être chiant. Parce que là, oui, moi je détesterais qu'on me fasse ça. Je ragerais pas, parce que c'est le jeu. C'est vrai que ça m'énerverait un petit peu quand même. Ah, donc je suis en train de m'amuser, en train de prendre plaisir. Hop là, et on enchaîne et on en est, pour un match à Paris, on en est à 31 kills quand même. Hop, 32. Arrêtez. Et voilà, là je me suis fait humilier. Donc là j'ai commencé à prendre un peu peur parce que mes ennemis sont quand même à 16. Bon, il y a eu 2 rage kits, hein, donc on est plus que 4 dans la partie. Hop, et je le loupe. Alors là, l'arbalète est une arme que j'affectionne parce que je la trouve vraiment cool. Je trouve ça cool de mettre une arbalète sur un jeu.
Hop là, je lui colle et lui, je sais pas pourquoi il me loupe. Bon, évidemment, la deuxième fois, il a eu le temps de tirer avant de mourir. Hein. Donc, je me suis fait buter. Et là, je pense que ça va bientôt se terminer. Parce que là, franchement, c'est une partie où je me suis énormément amusé parce que j'ai pris plaisir, j'ai tenté des trucs. Voilà, il s'humilie tout seul. J'ai tenté des trucs, j'ai essayé de faire pas mal de trucs. Vous avez des 360 que j'ai loupé plein de fois. Hein. Donc, je suis un peu nul. Et à la fin, je lui mets. Voilà. Donc, une vidéo. Assez sympa, assez long pour un match à Paris, c'est vrai que 9 minutes c'est long, mais j'espère que ça vous aura plu et ben à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!